Salut, dans cette vidéo, nous allons voir comment se faire rembourser sur Eneba. Alors, pour le faire, c'est relativement simple. On va le faire ensemble dans cette vidéo. Bien évidemment, si vous avez passé une commande ou bien si vous avez acheté des clés ou encore acheté des cartes cadeaux sur Eneba, il n'est pas vraiment possible de se faire rembourser. Alors, vous pouvez demander un remboursement à tout moment jusqu'à ce que vous affichiez votre clé. Alors, en raison de la nature de vos produits numériques, la plateforme n'est pas en mesure de procéder à un remboursement d'une clé valide que si vous n'avez pas encore accédé au produit. Alors, pour pouvoir procéder à un remboursement sur la plateforme, vous devez suivre les étapes suivantes. Alors, la première étape, vous devez appuyer sur Utiliser la clé sur la commande à partir de la section Ma bibliothèque de votre compte. Et ensuite, simplement, vous allez sélectionner Demandeur remboursement et n'affichez pas la clé. Voilà, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Et ensuite, vous cliquez sur Remplissez la demande de remboursement et ensuite vous confirmez. Et après cela, votre remboursement sera effectué presque instantanément. Alors, vous devez savoir que pour pouvoir effectuer ou bien pouvoir disposer d'un remboursement sur la plateforme Eneba, il faut que votre abonnement ne soit pas utilisé. Donc, il faut que vous l'achetiez, mais vous n'utilisez pas l'abonnement en premier temps et là, vous pourrez être remboursé. Mais si l'abonnement a déjà été utilisé, vous ne pourrez plus avoir accès à un remboursement simplement sur la plateforme. Donc, de manière simple, voici comment se faire rembourser sur la plateforme Eneba.